Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Caroline Legault, je suis dans les locaux de Bagatelle Atelier Boutique à Varennes. Et aujourd'hui, on va faire une petite capsule créative écologique ensemble. On va préparer des pastilles pour le lave-vaisselle. Donc, on a besoin des ingrédients suivants. On a besoin du bicarbonate de soude. Je vais descendre un petit peu la caméra. On va avoir besoin des cristaux de soude. Donc, tout ça, c'est une tasse de bicarbonate de soude, une tasse de cristaux de soude, une tasse de gros sel et une tasse d'acide citrique. Donc, on va mélanger tout ça dans un bol. Quatre ingrédients principaux. On va ajouter à ça des petites gouttes d'huile essentielle de citron. Ça va sentir bon. Donc, on va en mettre à peu près une quinzaine de gouttes. Et vous allez prendre une fourchette et vous allez vaporiser. Il y a de l'eau là-dedans. Vous allez mettre de l'eau graduellement dans le mélange. Donc, pas trop en même temps parce que sinon, ça va faire beaucoup d'effervescence, de mousse. Donc, on ne veut pas trop que ça en fasse. On veut garder l'effet pour le lave-vaisselle et pour que ça nettoie bien la vaisselle. Donc, on en met graduellement et on mélange au fur et à mesure. Une fois que le mélange va être humide, mais pas trop, comme un sable mouillé, un peu comme quand on fait des bombes effervescentes, mais un petit peu plus mouillé que ça. Une fois que le mélange va être bien pâteux, ça. Vous allez pouvoir mettre dans vos mains et faire comme un genre de petite boule comme ça. Ensuite, vous prenez un moule, soit un moule à glaçons à la maison, rigide, en plastique, ou bien avec un fond avec du silicone, ça va être plus facile à démouler par la suite. Donc là, vous faites le remplissage de votre moule avec le mélange que vous venez de préparer. Puis allez. Comme ça, là, plus rapidement. Et puis, vous entassez, vous compressez bien. Vous remplissez à peu près aux trois quarts du moule. Il ne faut pas remplir complètement parce que ça va gonfler un petit peu pendant la nuit ou pendant la journée. Donc, puis vous laissez comme ça pendant au moins une journée sécher. Puis ensuite, le lendemain, pouc, vous les démoulez. Et ça va vous faire des belles capsules comme ceci. Donc, ça sera une capsule à la fois pour le lave-vaisselle. Puis, si c'est un petit peu trop gros pour dans le réservoir à savon, vous avez juste à le couper un petit peu. Ça va être plus facile à entrer dans votre réservoir à lave-vaisselle. Donc, voilà, c'était la capsule rapide et efficace pour faire des pastilles pour votre lave-vaisselle. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.